Anne? Ouais, je te la passe. Ouais, elle est là, ouais. Mais il va me faire le coup. C'est David, du... oui. Mais c'est qui, David? David, je David Beckham, ah, c'est pour Mila, c'est pas pour moi. Alors en sortant de Nouvelle Star, non, je m'attendais pas du tout à devenir chroniqueur télé. J'ai un petit peu hésité avant d'aller à Énergie 12 pour l'image, pour tout ça. Et en fait, c'est ma maison, c'est ma famille et j'évolue bien. Je suis très très heureux d'être là-bas, vraiment. La chanson, j'ai pas abandonné, je suis en train de préparer l'album. Simplement, on prend le temps parce que j'ai beaucoup d'activités justement à la télé tous les jours et je veux pas que... Enfin, quand ça va arriver, je veux vraiment que ce soit clair, net, précis, que ce soit cohérent. Cohérent et légitime. Alors la télé-réalité, moi en règle générale, ça me parle pas. Moi j'ai appris les prénoms, enfin je connaissais quand même Eddy, je connaissais les vedettes des anges évidemment, parce qu'en plus ma femme regarde hein, quand même. Donc j'étais un petit peu au courant. Mais moi justement, j'ai développé ce rôle un petit peu, justement je suis le mec qui est pas de télé-réalité moi. En règle générale, je le dis tout le temps, toutes les nanas de télé-réalité qu'on reçoit, je les trouve super belles et élégantes en vrai. Alors qu'à la télé, parfois je trouve que elle joue peut-être un rôle, ou il y a peut-être ce côté. Là, je les trouve, Nadège, je les trouvais hyper belle. Amélie, n'en parlons pas, je la trouve super, super belle, super élégante. J'aime dire élégante parce que ça sort le côté, le mec qui veut la pécho, pas du tout. Vraiment élégante. Après, je dirais pas non, mais tu couperas ça. Je vais te faire le romantique, tu sais, qui arrive et qui... Hey! Je me suis fait mal au dos. J'aimerais bien l'atout tout court. Parce que être beau gosse, ça suffit pas, quoi. J'aime bien bien faire mon ouverture, bien faire ma petite chronique, essayer d'avoir un peu de répondant avec IM, avec Benoît, essayer de rigoler. Je pense qu'on est tous un atout à... Le mec trop humble, tu sais, on est tous un atout. Chacun, on se complète vachement. Avec Benoît, par exemple, c'est la folie, quoi. Ça fuse de partout et encore on peut pas tout dire parce qu'on va trop loin quoi, nous on est vraiment sans limite quoi. Ça peut faire partie de mes ambitions d'être animateur, vedette entre guillemets, d'avoir un show, ouais. Après moi encore, comme je disais tout à l'heure, là je suis tellement, ça y est, un peu rodé de l'émission que moi je pourrais faire ça 10 ans quoi.